toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron 4 avec l'Union Soviétique. Et aujourd'hui, il est grand temps de mettre en branle le plan d'invasion des États-Unis d'Amérique. Grâce à cette petite île là que nous avons récupérée à l'est du Canada. Et pas seulement vous allez te m'étonner. Toi, je te refuse, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'ils tiennent longtemps que la Californie, c'est bon. Et il est temps de lancer le plan d'invasion de la côte est des États-Unis d'Amérique. Je sens qu'on a envie de trouver ici. Je sais même plus c'est quoi mon point. Oh. Ok. Ma flotte de guerre va peut-être se replier. Allez, on y va. Toutes mes divisions doivent aller là-bas. Allez-y les gars, on a besoin qu'on prenne rapidement du territoire là. Alors prendre du territoire est assez important quand on fait un débarquement, je prends que vous donnez tout de suite pourquoi. Impressionnant. Bah, Montréal, Ottawa, en fait, arrêtez, il faudra prendre aussi Vancouver pour faire tomber le Canada. Radar dissymétrique, c'est fait. Radar dissymétrique. Et vous rêvez pas, je suis bien en train de faire ici un véritable bastion militaire. Montréal est tombé, Ottawa va bientôt tomber. Les troupes américaines sont concentrées sur l'Union américaine, donc moi j'ai largement le temps de m'occuper d'un bon débarquement ici sans avoir trop de troupes derrière moi. Et ici je suis à 82-3. Les Américains sont en train d'arriver, mes divisions blindées qui sont en train d'arriver. Autant vous dire que là, je pense qu'ils vont subir cher. Enfin, plutôt qu'ils vont prendre cher, va-t-on dire. C'est pas... Vaste flotte de combat, donc ça doit être la dernière réserve. Au niveau des flottes de combat, c'est fini. Donc, une terrestre, c'est fini. Aérien, c'est pas tout fait. Les recherches qui m'intéressent ici, je les ai. Ici, j'ai fini. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait ce qui m'était intéressant. Bon, bah, avion, on va peut-être chercher le MiG-15 qu'on avance. Ouais, hop, ok.
que mes divisions blindées vont bientôt arriver. En fait, je compte tout sur mes divisions blindées pour dire vrai. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire un truc aussi. Alors c'est anodin, mais la logistique étant très importante quand même. On va éviter de la sous-estimer quand même, cette logistique. Mais ce que je comprends toujours pas, c'est que mes divisions refusent d'aller sur le front ouest. Ils se mettent tous sur le front est, mais il n'y a aucune division qui est renforcée par exemple l'est. Enfin l'ouest. De toute façon, un moment fait que ça arrive, ça. Mes chères petites divisions, je m'en contrefous de ce que vous pouvez penser, vous direz. 23 divisions y vont. En Amérique centrale et du sud, les Russes ont pris les armes, sans au nom de la démocratie, sont bien équipés, mais organisés. D'accord, les États-Unis se sont amusés en gros à soutenir les mouvements républicains. Bon ben, il veut à tout prix une Amérique sous le modèle américain, à ce qu'on voit. Ben, on va leur montrer ce qui se passe quand ils s'amusent à jouer à ça. Donc là en réalité j'ai déjà fait quasiment le plus dur parce que j'ai déjà la majorité de mes troupes qui sont... Enfin, plutôt devrais-je dire j'ai déjà une tête de pont en place au niveau des États-Unis. Voilà. Autant dire que j'ai déjà fait quelque chose d'assez compliqué. Après là... Ici ça va bientôt tomber, mais normalement je devrais pouvoir faire une percée avec mes blindés. Donc la première armée de blindés et la deuxième armée de blindés. Ma deuxième armée. Ici allez hop, on va s'en asseoir. Initiation à la chasse, efficacité, agilité, pas mal ça. C'est vrai que j'ai toujours pas avancé mes armes nucléaires. Mais... Ah mais je suis hors de portée de toute façon. J'ai vu du monde. Ouais, voilà, il n'y aura jamais à porter. Là, par contre, avec mes blindés, ça risque de taper très fort. En charge, et voilà. C'est beau, hein.
Insertion au socle de vétéran. Efficacité soutien rien. Hop. Bien qu'à un moment on envoie quand même nos chasseurs ici. Construction. Canon anti-aérien, nouveau modèle. Oui, vous rêvez pas, j'ai bien fait un cercle. J'ai bien réussi à percer les États-Unis. C'est pour ça que je conseille toujours faire une révolution, parce qu'une fois qu'il y a une révolution en place, vous pouvez facilement vous balader chez eux sans aucun souci en fait. Notamment mettre en place vos divisions blindées qui s'occuperont après de tout ce qui est l'invasion en elle-même. Après, si République Populaire gagne, normalement, apparemment, celui-ci gagnerait. Et en bas, ça serait équilibré entre les deux Argentines. Voilà, je contrôle la Nouvelle-Angleterre maintenant. Voilà. 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 Ici maintenant on va déployer les bombardiers que je vous parlais. Je crois que vous avez promis de bombarder quelques villes à coups d'armes nucléaires. Tout à ce qu'ils ont fait à notre chef bien aimé. Oh mais vous de toute façon, mes chers petits verts. Banzai hein. J'avais promis de bombarder les grandes villes des États-Unis d'Amérique. Alors pour lancer une arme nucléaire, il faut contrôler 75% d'approvisionnement aérien. Voilà, une bombe ici, une bombe là, une bombe là. J'avais promis aussi une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. On va lancer une ici et une là. Et une là. Voilà. Bombardement atomique à Washington. Aujourd'hui, une bombe atomique explose au-dessus de la capitale américaine au cours d'une attaque éclair dirigée contre le centre politique et historique des États-Unis à Maison Blanche et le Capitole. Entre autres bâtiments étaient rasés. Même le terrible incendie qui a ravagé Washington, il n'y a plus d'insectes ni rien côté des dans lequel cette arme de l'assassin a plongé la ville. Le président Harry Truman a été épargné, ma nation a été frappée de plein cœur. Tous les temps, les États-Unis espéraient être les seuls à pouvoir brandir en menace une telle arme. Cet espoir a finalement été perdu. De la pire des manières. Nation indivisible face à l'atome, quant à lui, est divisible. Voilà. Vous voulez encore vous battre? Voilà. C'est bon. Je vous avais promis ce bombardement. Hein.
front, on arrange le front comme il faut. Voilà. Je pense qu'ils ont compris maintenant qu'il fallait pas m'énerver. Oui, donc les armes nucléaires, pour petite précision, ne fait que dans, c'est que de l'endommagement de structure. Hein. Donc pas de, de perte de vie humaine ou autre. Peut-être de matériel, j'ai jamais fait trop attention à ça, mais... Ça serait, en soi, ça serait pas surprenant qu'on perde du matériel, cette histoire. Les États-Unis qui sont en train de lâcher prise. Bon, là-bas, c'est bien. Ils vont disparaître. Parce que je comptais pas laisser les États-Unis pour eux. Faut quand même pas exagérer. Hein. Voilà. La porte de Providence est en train d'être prise. On est en train de percer la ligne derrière. Eux ici vont essayer de percer là. Ici une division encerclée, bon, c'est simple. Ah, j'ai perdu, j'ai fait perdre des convois en plus. Boston a été pris maintenant. Je m'en contrefiche des installations qui sont en miettes, hein, pour pas dire vrai. Le seul but c'était de montrer qu'Armée Rouge n'avait pas servi à marcher sur les pieds. Oh, ici, il y a plein de sous-marins qui coulent. C'est tellement dommage. En fait, c'est pas dommage, c'est génial. Donc, quel état est votre armée? Votre armée est apparemment dans un triste état. Et maintenant, dans votre armée? Un peu beaucoup de divisions, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont beau avoir des bons systèmes de décryptage, c'est pas très efficace. Ah, voilà, maintenant. Voilà. Ouais, il va commencer à avoir un gros problème de ravitaillement, je pense. Ah non, région d'Ontario, ça va. Il y a un. Ouais, ici c'est limite, mais ça passe. Ici c'est normal parce que les infrastructures ont peut-être été un petit peu démolies par ma faute. Mais de toute façon, les États-Unis vont très vite tomber. Donc on a fait sauter quelques armes atomiques sur sol. Alors, ça, pour mon avis, ça devait arriver avec une mise à jour que j'étais pas trop au courant. Ça, que l'arme atomique. Impactait les unités nationales, ce que je me souviens à une époque, enfin, avant les premiers patchs, que j'avais pas arrêté d'utiliser, ça n'avait rien fait sur l'autre nation, à part détruire l'infrastructure. Donc d'un côté, c'est pas plus mal, au moins il y a vraiment un vrai avantage de se déranger à faire ça. Là, je vais faire une percée rapide jusqu'à Washington parce que j'ai vite temps de mettre fin à cette guerre avec eux. L'infrastructure est tellement en miettes. Corps de volontaires des communistes américains. Non, de toute façon, vous êtes morts. Parfaitement, même dans les bois ça passe. Ça passe partout mes blindés. Après il y aura. Bon, Godot a semaine à la victoire, c'est normal. Après, bien évidemment, il y aura encore quelques petits conflits qui risquent d'y arriver, notamment ici, parce qu'ils sont pas trop communistes. Hein. Là aussi, là, c'est. Bon, après, il y a aussi ces petites nations là, hein, qui. J'ai un petit peu de rang, hein, mais de manière générale, ici c'est plutôt bon. Après, bon, il y a bien évidemment l'Amérique latine.
première armée au monde. Ah non, moi j'étais déjà à Washington. Toi. Pourquoi je peux me permettre de faire ça, ce que Washington... On va peut-être pas prendre Philadelphie quand même. Allez, il va contourner ça. Ici. Non, non, on va contourner comme ça. Voilà. On risque peut-être d'avoir quelques soucis. Vu qu'ils ont presque plus d'unités nationales, ça pose un peu de problème. Baltimore. Ah, j'ai pas bombardé. Ah si, j'ai bombardé Baltimore, je crois. Une fois quoi, Chine. Act. Il faut vraiment que toutes mes divisions se repositionnent. C'est la Bérésina. Tellement quand je vois ça, c'est impressionnant. Bah, je fais quelques petites erreurs de calcul, ça. On a relibéré notre division, on a quasiment libéré la division qui était bloquée. Voilà. C'est ça. Voilà. Après vous, cette guerre a emporté déjà combien de millions d'hommes? De l'autre côté, 4 millions en face, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, venez, il y a plus de 14 millions d'hommes qui sont morts, ou un peu moins de 14 millions d'hommes qui sont morts. À cause de ces personnes quand même. Non. Ici on va pousser une contre-attaque là, comme ça. Immédiatement. Eux ils vont continuer à avancer l'assaut. Mais sérieusement. Comme pas laisser me marcher dessus. La vague unité nationale, toujours aussi merdique. Ah, c'est dommage qu'il manque pas une ligne récapitulant le nombre de morts total. Ah, la libération des troupes a eu lieu. On a pas fait grand chose d'abord. On a presque ouvert. Encore quelques poches de résistance. Enfin, moi quand je vois ça, je me dis que c'est fini. Hein. Honnêtement. Pas grand chose à espérer, hein. C'est trop peu. D'ailleurs, les Américains.
En fait, là, ce que j'attends, c'est qu'ils finissent l'Union américaine. Américain. Voilà. 5 millions de morts chez les Américains. L'approvisionnement un peu critique dans certaines zones, on va pas se mentir. Mais voilà, on va s'en occuper. Là, on voit pas de différence de couleur carrément entre le Canada et l'Union soviétique, c'est quasiment la même, c'est dommage ça. Donc l'Argentine populaire va pouvoir rejoindre après s'il gagne ma faction. Ah bah. Le Mexique populaire n'arrivant pas à gagner, ils auront pas le droit de rejoindre ma faction. S'ils n'en ont plus vraiment besoin, je pourrais les accepter maintenant. Et qu'on voit. Oh là là. Bataille longue. Les deux derniers avions, ça. Enfin, les derniers bateaux. On va en finir d'envahir l'archipel de Salomon. Enfin, l'archipel des îles Salomon. La flotte de Nouvelle-Zélande et d'Australie est bien presque morte. Bon, j'aimerais bien qu'ils finissent assez vite la guerre là-bas. Enfin bon. Les États-Unis, ils sont pas capables. Nous, on a quand même, savoir être méchant, un petit objectif, hein, c'est de prendre Washington. Voilà. Pas forcément la meilleure des manières, mais bon. Notre objectif, c'est ça. Les États-Unis ont capitulé. Joseph Staline a annoncé que la nation américaine ne pouvait plus rester après son puissante force soviétique comme prendre d'emploi. Le gouvernement des États-Unis a choisi de fuir et de s'exiler. Donc toi maintenant, je vais pas t'inviter dans ma faction parce que j'ai pas envie, mais j'ai juste suivi un objectif de guerre pour t'envahir. Voilà. Voilà. Donc, ces puissantes troupes-là, même pas en vouloir, mais... Ils vont très vite aller ici. Hein. Cette armée là, bah... Voilà. Et j'aimerais bien faire dégager ce pays-là du Comintern, mais je peux pas. En fait, le seul souci que je retrouve, c'est qu'on a créé une faction pour pas faire en sorte de la foutre en l'air. En tout cas, pas avec la Russie. J'ai pas trop la technique. Ouais, donc ils sont bien en guerre contre tout le monde. On va les raser. Pour voir dans quel état ils sont, ils ont plus beaucoup de divisions, leur flotte est quasiment morte. Aïe.
Bah, les États-Unis vont mettre une population faible, hein. Pas chaud. En fait, c'est ce rouge là que je comprends pas. Quoi qu'il en soit, nous terminons ainsi le plan Octobre Rouge. Nous avons réussi à faire chuter le géant capitaliste. Définitivement. Et nous pouvons donc nous féliciter d'avoir réussi cet exploit. Bien peu de personnes ont réussi à faire ça. Ok, en soi, je vous remercie d'être avec moi cet épisode de ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout bien. Et à tout le monde.